Je suis assez contre l'idéologie eurasiatique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une utopie. Pourquoi c'est une utopie? Moi, je pense que dans la vie, le grand partage dans la vie, dans les idéologies, c'est entre le mythe et l'utopie. Le mythe, c'est quelque chose qui a toujours été et qui va se répéter. Et c'est un travail sur toi. L'utopie, c'est quelque chose qui a jamais été, qu'il faut créer d'emblée. Donc, créer cette civilisation unie parmi les Européens et les Asiatiques, ce n'est qu'une utopie. Donc, je suis déjà contre. Puis, je suis contre le terme, parce que le terme Eurasie a deux sources historiques. La première source historique, c'est que c'est l'un des trois continents créés par Orwell dans 1984. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une idéologie eurasiatique réellement qui a été établie par des réfugiés russes qui avaient échappé à la révolution soviétique et qui après se sont rattachés à la révolution soviétique 20 ans après. Et leur idée de l'Eurasie, c'est la force de la terre qui englobe tout en éliminant même la personnalité. Donc c'est une question de rébellion tellurique vis-à-vis de la conception européenne. Donc je suis contre même ceci. Troisièmement, c'est parce qu'avec Eurasie, on entend quoi? Ça se termine où? Le Pakistan, la Chine, qu'est-ce que c'est? Alors, j'avais déjà dit que c'était beaucoup plus intéressant de réduire ceci à certains éléments. Je veux dire, c'est l'Europe qui peut aller vers l'Est, je suis tout à fait d'accord, qui peut aller vers la Sibérie, qui peut aller vers aussi par exemple, le Kazakhstan, etc. Mais c'est l'Europe plus son espace vital et peut-être une partie de son espace ancestral. Mais attention, si c'est l'Europe qui va vers la Russie, c'est une discussion. Si c'est la Russie qui vient vers l'Europe, ce n'est complètement une autre. Parce que l'Europe qui va vers la Russie, ça veut dire aussi être européenne. Donc ça veut dire aussi essayer de faire levier sur le côté européen des Russes. Parce que les Russes ne sont pas qu'européens. Si c'est l'Empire soviétique ou post-soviétique qui essaie de d'englober l'Europe dans son espace culturel, c'est tout à fait autre chose, je suis tout à fait contre. Disons que dans la tradition russe, ça n'a jamais eu un vrai impérium. La tradition russe, c'est une tradition de pouvoir central, et de déstabilisation. Enfin, déjà Staline a fait un bordel en changeant toutes les ethnies, en faisant mais même avant, avec les tsars, etc., la vision russe reste une vision très brutale. Avec, après, des philosophes ou la possibilité même mystique mais ce n'est pas l'Europe. Ça n'a jamais été l'Europe, là aussi. Et non seulement ça n'a jamais été l'Europe, elle ne s'est jamais programmée européenne. Le russe se considère quelque chose qui est entre deux frontières, entre deux mondes. Ce qui est vrai. Donc je suis partisan, à principe, je suis partisan d'une très bonne entente entre l'Europe et la Russie. Mais il faut l'Europe d'abord. La logique d'aujourd'hui, par laquelle, face à un nouvel Yalta, parce qu'il y a un nouveau Yalta, ce qui est vérifié de manière grotesque, ou par exemple en Ukraine, on a vu une guerre qui n'a jamais eu lieu, parce qu'il y a eu des guerres civiles qui ont été favorisées, mais il n'y a pas eu de guerre, où on voit la guerre entre l'OTAN et la Russie, il n'y a pas eu ni un char OTAN, ni une arme OTAN qui a été donnée au gouvernement de Kiev, qui reste le même qu'auparavant et qui continue de faire les affaires exactement comme auparavant à Moscou. Donc on est dans une situation grotesque. Alors dans cette situation, on voit un choc de civilisation qui n'a pas lieu et les gens se replient sur la Russie sauveuse, comme sauveur, qui devrait éliminer par exemple entre guillemets l'influence occidentale de l'Union Européenne. En revanche, non seulement les Américains sont encore plus forts aujourd'hui que ce qu'ils n'étaient hier. Non seulement les Russes ne sont pas du tout en guerre contre les Américains, mais même si on arriverait un jour à avoir une entente réelle avec la Russie, ce n'est pas en leur demandant de nous écraser.
Que, parce que bon, je veux dire, franchement, normalement, je peux être considéré préférable le russe aux américains, simplement parce que les américains, je l'ai sur le dos, les russes, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, les gens qui ont, sont habitués à avoir le russe sur le dos préfèrent les américains. Donc ça veut dire qu'il est probable qu'il faut, qu'il faut être maître soi-même et ne pas demander à un maître quelconque pour qu'on nous aide. On vit dans, la, dans l'apparence. Donc, sous cet ensemble de vieux personnes qui cherchent d'avoir un truc, c'est autour, autour de Dugin, donc il y a cette, cette, ces phénomènes apparents de rosianisme qui est irréel. En sens qui est irréel, parce que personne ne sait ce que ça veut dire en réalité. Il n'est pas incrusté dans la culture politique des mouvements. Et en plus, ça n'a aucune importance nulle part, parce que même, même au Kremlin, Dugin ne représente absolument rien. C'est un truc hyper... Enfin, c'est de la fantasmagorie, je trouve. Mais grâce au fait que les gens sont d'un côté désespérés, et puis qu'il y a Internet, ils se connaissent coude par coude, il y a cette espèce de ersatz qui a été créé. Enfin, c'est faux génie. Enfin, cet hologramme qui s'est créé, qui représente, voyons, je vais être large, 4 à 5 000 personnes dans toute la planète, et qui ne correspondent absolument à rien, parce que le réel n'a rien à voir. Parce que même les gens qui, par exemple, les gens qui se sont entretués en Ukraine, qui se sont entretués pour des haines ethniques ou pour des symboles d'il y a 40 ans, de chirurgie jamais réalisée, jamais soignée, et que toutes ces théories là qui les accompagnent sur Internet, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ben, quelque part c'est l'est, certainement, mais je ne pense pas que ce soit plus organique que cela au Kremlin. Parce que le Kremlin joue tout à fait autre bataille. Le Kremlin joue la bataille de la défense contre l'antisémitisme, la défense contre le fascisme, contre le nazisme, etc. etc. Donc, ces groupuscules... Alors, là, il faut voir, ces groupuscules sont laissés faire, mais ces groupuscules, il a même perdu sa chaire à l'université, il n'est pas si protégé que ceci. Alors là, par exemple... Vu que quand ils ont fait l'appel à l'époque pour les Européennes, pour soutenir Donbass, ils se sont vus à Yalta, mais ils ont créé un soviet antifasciste là-dessus. Ça s'appelait le soviet antifasciste, donc ça n'a pas tellement plu. Maintenant, ils ont laissé à des petits partis de droite de relancer un truc sur la famille. Et Dugin est dedans, mais il y a des partis staliniens comme des partis néo-tsaristes qui sont ensemble. Tous ensemble, ils sont pour Poutine, mais sont des petites minorités. Et voilà, et comme dit justement mon fils, à l'époque on disait ni front rouge ni réaction. Aujourd'hui, avec Staline et le tsar, tout sur la famille, on est passé de ni front rouge ni réaction à et front rouge et réaction. On a fait de cette logique eurasiatique, de Dugin, etc., de nos milieux intellectuels. On a fait des gens, mais en fait, ils sont complètement rejetés dans la réelle, même dans la réelle russe. Qui parle d'Eurasie russe. Oui, il y a l'espace économique eurasiatique, mais ça n'a rien à voir. Là, je suis quand même d'accord d'avoir un espace intermédiaire entre l'Europe et l'Asie qui soit intéressant, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune idéologie eurasiatique en Russie. La Russie, en plus, il ne demande même pas de relations particulièrement fortes avec l'Europe. Ils n'ont vraiment rien à foutre. Ça n'a aucun problème énergétique et économique. Beaucoup de la psychiatrie, hein, beaucoup de problèmes psychanalytiques, les gens ont besoin de trouver une solution pour leur destin. Et c'est très difficile de prendre les choses en main en disant les choses sont telles, et je dois commencer d'eux. Il vaut mieux penser que les choses soient différentes, créer des utopies plutôt que des mythes, s'attacher à des idéologies. Et même, par exemple, très importante, c'est l'importance qui est donnée à la géopolitique aujourd'hui, qui est devenue un mythe, enfin, une clé de lecture absolue, comme la lutte des classes à l'époque,
qui est une lutte qui est déjà absurde, parce que on ne peut pas donner une clé de lecture à quelque chose qui est exclusivement matériel, donc on est tombé dans un matérialisme complètement idiot, mais en plus qui se base sur des éléments valables, quelques-uns valables, mais sur deux grandes fautes de fond. Les fautes de fond sont la première, que, comme il a été bien analysé par beaucoup de gens, entre autres de Benoît ou Jamie Loalvi, ça fait quelques dizaines d'années qu'il n'y a plus la géopolitique, comme on a toujours pensé, c'était le nomos de la mer contre le nomos de la terre. Aujourd'hui, c'est le nomos de l'air qui prédomine, ce sont les satellites. Tout est par satellite aujourd'hui, donc tout a complètement faussé. Qui détient les satellites? Donc les mondialistes et dans les détails les Américains, les Anglo-Américains sont partout, ils ont besoin de passer nulle part. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent beaucoup de défenses militaires, parce qu'ils possèdent vraiment tout aujourd'hui. Donc déjà, on oublie un truc très important dans la géopolitique qui a complètement changé. Donc on s'attache à une vision de la géopolitique qui a au moins 40 ans. Et deuxièmement, sur un dogme du choc obligatoire entre le nomos de la mer et le nomos de la terre, qui sera présenté par les États-Unis et par la Russie, mais avec un petit oubli, c'est que depuis que les États-Unis existent, ils ne se sont jamais lancés une seule pierre, les Russes contre les Américains. Ce sont les seuls qui ne sont jamais battus les uns contre les autres. Alors, qu'ils soient des rivaux, je veux bien, parce que c'est une question de relation de puissance, mais ils sont aussi des complices en même temps. Enfin, c'est logique, c'est un partage. Donc, il y a tout un rêve de presque de guerre mondiale et de libération de sa propre impuissance qui est fondée sur. Sur des illusions complètement faussées. Merci. Je vous en prie.